Salut Joel, salut, bienvenue Team Snack et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo forcément. J'aurais une question, depuis que j'ai arrêté de prendre des produits, je tombe dans une dépression, c'est normal, merci de ta réponse. Eh bien, je vais tenter de répondre de la façon la plus cohérente et audible à cette petite question. Ce que j'ai remarqué en étudiant de près les signes de sevrage de produits, disons, modifiant le comportement, c'est que ils ont des points communs entre eux et un de ces points communs, c'est justement un sentiment de dépression quand on arrête d'en consommer. En général, ce sentiment de dépression va durer pendant la période de sevrage. Et en fonction du ou des produits, cette période de sevrage va durer un certain laps de temps. Par exemple, le cannabis, sevrage, c'est 4 semaines. Cocaïne, sans traitement, par exemple, avec du Valium, disons, c'est à peu près 8 à 10 semaines. Voilà. Pour d'autres produits, c'est moins. Pour d'autres produits, en général, c'est pas beaucoup plus. Mais voilà, ça tourne autour de ça, la durée de sevrage. Et les signes de sevrage, ici en l'occurrence, la dépression, ça finit par diminuer au fur et à mesure que le sevrage avance. Mais je dis toujours quand même qu'il faut pas faire trop attention aux progrès qu'on fait parce qu'on constate pas des progrès nets du jour au lendemain. C'est vraiment progressif. Ça diminue au fur et à mesure que le sevrage forcément avance. Donc le petit conseil que je pourrais te donner, c'est de te renseigner sur la durée de sevrage du ou des produits que tu es en train d'arrêter pour savoir combien de temps forcément ça dure et attendre la fin de cette période pour faire un petit bilan et voir à ce moment-là comment tu te sens réellement. Si à la fin de cette période, tu sens que vraiment ça va pas mieux, alors là, il faudra quand même penser à aller consulter un psychologue, par exemple. Je me permets de rajouter un petit quelque chose pour terminer la vidéo, c'est que bien souvent, en général, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça arrive quand même assez régulièrement, c'est que la consommation d'un ou plusieurs produits est le symptôme de quelque chose qui ne va pas, comme par exemple un sentiment de mal-être et de dépression. Donc peut-être que tu étais dépressif à la base, ou qu'en tout cas, tu ne t'en rendais peut-être pas compte, et que ce sentiment de mal-être t'a conduit à consommer. Donc voilà, en résumé, constate quand même bien l'état dans lequel tu te trouveras à la fin de ton sevrage, pour faire un petit bilan comme je l'ai dit, et à partir de là, aviser pour voir ce que tu vas faire ou pas, donc aller consulter un psychologue.